Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais revenir sur ma précédente session photo, mon dernier bivouac durant lequel j'ai réalisé cette image. Alors c'est une image qui a provoqué beaucoup de réactions, majoritairement positives et ça fait super plaisir. Et puis elle a provoqué aussi une certaine polémique sur un groupe Facebook spécialisé dans l'astrophoto où on a plein de spécialistes et d'amateurs d'astrophoto. Et donc voilà, je vais revenir un petit peu là-dessus parce que je l'ai assez mauvaise quand même sur deux personnes principalement qui m'ont attaqué sur cette image avec beaucoup de certitude, au point même de me signaler à l'administrateur du groupe, etc. Et j'ai fini par quitter le groupe par moi-même, mais voilà, je l'ai franchement mauvaise parce que voilà, je voudrais revenir sur certaines choses et plutôt que d'illustrer plutôt que de vous faire un simple coup de gueule, je vais non seulement l'illustrer, mais je vais surtout le faire en démonstration, ce sera certainement plus parlant que si je l'expliquais juste comme ça. Mais en attendant, on va voir ça tout à l'heure, mais en attendant, direction le parc naturel régional du Queyras pour les lacs Blanchet inférieurs et supérieurs, et avec dans l'optique de faire à la fois de la photo de coucher de soleil, de la voie lactée, mais avant tout de passer un bon moment bivouac avec une bonne équipe, donc tout de suite direction le terrain. Bon, départ de la petite marche d'approche, enfin petite marche d'approche. c'est vite dit. Et donc cette fois-ci, voilà, avec Yannick, qu'on ne présente plus, et Philippe, le retour pour celles et ceux qui ont vu l'épisode 2 d'une photo, une histoire, orage sur les sommets, ben voilà, c'était Philippe, c'était la même équipe. Donc l'objectif, c'est la tête des toilies, elle est là, et on va bivouaquer au lac qui est un petit peu au-dessus là. Et puis bon, je vais voir s'il y a moyen de monter au col aussi juste au-dessus pour avoir un autre angle de vue, voilà. Ça, c'est le projet. Là, on est arrivé et finalement on a opté pour le lac inférieur plutôt que le supérieur parce que déjà le c'est très joli. On a je vais vous montrer, je vais descendre un peu. Donc là on a la tête des toilies juste en face, puis c'est joli là, c'est plein de fleurs, il y a plein de tas de premiers plans sympas. Et puis il y a les linaigrettes là, juste tout au bord là. Un grand classique du premier plan en montagne. Mais voilà, il y a plein de choses, il y a des beaux rochers, il y a plein de choses. C'est vachement bien. Bon, le coucher de soleil, je pense que je vais le faire au lac ici. Et puis voilà, allez, on va s'installer. Alors souvent, quand je suis sur un lieu de prise de vue comme ça et que j'ai l'intention de me déplacer, d'aller sur une crête ou d'aller à un endroit, etc., où il y a un peu de marche, il y a un peu des choses à faire, très souvent, quand j'en ai la possibilité, que j'ai le drone avec moi, ce que je fais, c'est que j'envoie mon drone pour faire du repérage. Ça me permet d'avoir l'angle de vue, voilà, je l'amène là où je veux aller et comme ça, je vois un petit peu la vision que j'aurai du sujet, etc., les perspectives que j'ai à cet endroit-là et ça me permet de faire un petit repérage. Donc, très souvent, voilà, quand j'en ai la possibilité, j'envoie mon drone pour aller repérer. Et là, on va se faire un petit check avec le drone parce que tu vois, moi, je voudrais savoir si quand j'arrive sur la crête là-bas, s'il y a un relief derrière ou si, tu vois, pour savoir si je monte à gauche ou si je monte sur celle-là de crête, tu vois. Au retour, je vais peut-être l'envoyer, ouais, je vais envoyer le drone vers là-bas, voir un petit peu au lac là-bas commencer. Allez, c'est parti. Ça brasse là-haut. T'as vu le drone là comme il est là? Il est penché qu'il en peut plus. Au niveau distance, normalement, à mon avis, je vais être court. Hein. Je pense. Peut-être pas l'altitude, mais peut-être la profondeur. Altitude, tu vois, je suis déjà à 100 mètres là. Ok. Ouais, alors là, j'arrive côté italien. Tu vois, on voit le côté italien derrière. Ah,
Tu vois ce que je te disais, regarde la gueule qu'elle a, la crête là, exactement, de ce côté-là. Exactement. Là, on voit la face qui est dans l'ombre. Et moi, c'est ça qui m'intéresse au niveau de la structure, que là, on voit qu'un côté. C'est beau, hein, c'est un côté qui est éclairé, mais on n'a pas la même structure là, tu vois. Ça, c'est celui qui prendra le coucher, c'est celui-ci. Hein. Après, Et là, on voit le lac supérieur. Là. Tout droit là-bas. Pour l'instant, je suis au petit lac là. Je suis allé me faire un peu. Alors le coucher de soleil est pas dingue hein, puisqu'on a absolument rien dans le ciel, mais c'était très joli parce que je vais vous montrer. Attendez, parce que là je me filme avec le boîtier, j'ai la GoPro qui m'a lâché. On a le soleil qui se couche là-bas et puis on avait ce petit chenal là qui faisait une super compo. C'est joli. C'est dommage que le ciel soit vide. Il n'était pas prévu ça. Il était prévu qu'il y ait quand même un peu de matière. Et tant pis, c'est comme ça. Et donc du coup, voilà, je me suis régalé. J'ai joué avec le Sunstar. Et puis voilà, ça fera une jolie photo. C'est pas la photo du siècle avec des conditions de dingue, mais ça fera quand même une jolie photo. Donc voilà, le but est de s'amuser aussi. Putain, j'ai perdu les sourcils et tout. Après le trou au crâne, il y a lui de barre. Oh là là, putain. Oh, fou. Bon, ben voilà, les compositions sont faites. Les boîtiers sont en place, ils ne bougent plus. Et merde. Il n'y a plus qu'à attendre la Voie lactée et que la lune elle descende un peu parce que... Mais ça va faire. Hein. Ça va faire. Filou, tout à l'heure, il a allumé le téléphone. Il lui dit « Oh, il y a des yeux là-bas, regardez, il y a des yeux !» Je suis obligé de le dire, fille. Je suis obligé de le mettre. Ouais, mais je vais chanter la chanson. Les yeux de Laura. Non, ah. Purée, j'ai craqué ce soir-là. Il nous dit, « Quand j'allume là-bas, je vois deux yeux et tout. » Yannick, il arrive, il regarde. En fait, c'était la tente. J'ai des réflecteurs sur la tente. Il voyait les réflecteurs dans la tente. Il dit « Il y a des yeux. » Mais les yeux, étaient larges. Voilà, dans la seconde. Ah, il a vu le Dahu lui tout à l'heure. Alors, c'était trop bien parce que tout à l'heure, juste après le coucher de soleil, on entend des bruits là-haut, puis on voit qu'il y a des bouquetins, il y a des jeunes mâles là, il y a des jeunes boucs qui étaient en train de se faire quelques joutes. Alors Philippe, il est tombé pile poil dessus. Il est tombé pile poil dessus, mais cette fois c'était vrai. Hein. Il est tombé pile dessus, il a fait quelques photos. Tout est vrai. Non mais parce que maintenant il faut préciser parce que tu vois. Et juste après moi je suis arrivé et j'en avais un sur la ligne de crête. Alors j'ai fait une petite photo là, coucher de soleil, très bucolique, avec juste la petite silhouette du bouquetin au bout. Ça c'est le genre de photo que j'aime beaucoup ça. C'est con hein, c'est très minimaliste, il n'y a pas grand chose mais j'aime bien. Allez vas-y. Ah mais un bivouac sans le petit Genepi. C'est pas un vrai bivouac. C'est comme une mer sans sel. Oh, magnifique. C'est beau ça. Avant de partir bivouaquer ce matin, on est baissé dans un meuble, je suis baissé en train de chercher un truc dans un meuble et tout. Je me relève franco et il y avait la fenêtre ouverte au-dessus. Je me suis pris le coin de la fenêtre plein fer. Et ça m'a coupé le cuir chevelu sur 1 cm quoi. Donc ça pissait le sang, ça et machin. Et donc je vais à la pharmacie parce que je me dis comme ça, qu'ils me remettent un coup de colle là, ils ont de la... Et... Une agrafeuse, je sais pas. Voilà, je sais pas, mais qu'ils me fassent un truc que je... Chatterton. Ouais, mais que je puisse aller bivouaquer quand même, tu vois. Et donc j'arrive à la pharmacie et tout, et puis là, déjà ils étaient surpris. L'électricien. Déjà ils étaient surpris que je sois pas allé à l'hôpital, et puis bon, ils me disent, mais vous voulez qu'on fasse quoi? J'ai dit, ben vous pouvez pas me recoller. Et du coup,
Non, mais ils ont de la colle là, fait exprès pour là. C'est toi qui m'as dit en plus qu'ils avaient de la colle. Excellent. Et je leur demande la colle, mais la nana elle me dit oui, on a de la colle, mais c'est 38 euros. Le tube d'un milligramme. Le tube, je dis 38 euros. Je dis, ben vous avez pas une pommade, un truc, tu vois. Donc, il a donc pris du dentifrice. Donc, je suis reparti avec une pommade à 8 euros. Mais voilà, alors du coup, c'est. Non, mais excellent. C'est sur, ouais, ça, sur le haut de la tête. Peu, ouais. Ça, hein, ça sointe un peu. Ouais. Ça sointe encore, ouais. Ça coule dans le Dead Boy, c'est dégueulasse. Non, mais donc voilà, donc je me suis fait cette petite excursion avec un trou dans le crâne. Et puis, alors ça a un peu saigné à la montée parce que forcément, on fait. Mais quoi? Ça, c'est des moments que j'apprécie énormément. Les moments au bivouac, comme ça, où on est entre amis, qu'on se fait à manger, etc. C'est des moments qui sont hyper importants parce que c'est ce qui crée aussi des bons souvenirs et qui font qu'on va se rappeler de cet instant avec beaucoup de joie. Et c'est pour ça que j'aime bien capturer. Alors là, je vous le partage. Il n'y a pas vraiment d'informations photographiques, etc. Mais c'est des moments de convivialité que j'aime bien partager. Je n'ai pas filmé ma session de prise de vue Voie lactée tout simplement parce que pour me filmer, il aurait fallu que j'allume ma frontale, que je m'éclaire, etc. Et on était plusieurs à shooter sur cet endroit-là. Et pour ne pas déranger mon camarade qui shootait aussi à côté avec à chaque fois la frontale qui s'allume et qui gâche ses photos, j'ai pas filmé la session de prise de vue. Mais au final, le résultat a été celui-ci. Alors, ce qui s'est passé concernant la petite polémique avec cette image, en fait, je vais vous expliquer. J'ai posté cette photo sur un groupe Facebook qui concerne l'astrophoto en particulier. Et là, je me suis fait attaquer de toutes parts par deux personnages. Alors, je vais épargner vos noms de famille, bien sûr. Mais voilà, une petite dédicace à Marco et Brian qui sont tout de suite montés au créneau en me disant... Parce que forcément, quand je poste ma photo, je mets mes exifs et je marque en dessous « single exposure » parce que le groupe imposait qu'on dise s'il y avait blending, tracking, etc. Il n'y a pas de blending d'exposition. J'ai fait une seule expo, « single exposure », hein, une seule exposition. Donc je le dis, je marque « single exposure » en dessous de mes exifs. Et là, ils sont montés au créneau, ils m'ont enchaîné. Ouais, c'est pas possible, tu mens, tu trompes les règles du groupe, tu veux pas admettre que ta photo, il y a le premier plan, c'est impossible d'avoir ce premier plan-là. T'as forcément pris une photo de jour assemblée avec une photo de nuit, etc. Donc, je commence par leur dire non. Il y a eu un stacking de focus pour avoir un maximum de profondeur de champ. Mais bon, ça ne concerne pas les techniques d'astrophoto, etc. Pour moi, le focus stacking, c'était juste pour avoir une profondeur de champ. Ça n'influence pas l'exposition. Donc, vu que là, il est question de comment révéler la Voie lactée, les astres, etc., les ciels, etc., je me suis dit, j'ai pas besoin de parler que j'ai fait un focus stacking. Mais c'est pas ça qui les dérangeait. Ce qui les dérangeait, c'était que je dise single exposure et qu'ils étaient persuadés, autant le Brian que le Marco, hein, petite dédicace à vous, ils étaient persuadés que ce premier plan, je l'ai pris de jour ou à l'heure bleue maximum, mais que c'est un premier plan qui a été blendé, donc assemblé avec mon ciel de nuit. Je leur dis non. Je leur envoie même le point de départ de mon post-traitement et ça n'a pas suffi. Alors vous savez quoi? Ça arrive, il y a des gens qui se posent des questions, qui se disent ça c'est possible, ça c'est pas possible, qui arrivent avec leur certitude. Alors calmez-vous avec vos certitudes. Posez la question, n'arrivez pas en tant qu'expert quand vous ne l'êtes pas, et puis voilà, posez la question, essayez de comprendre. Et donc, pour vous expliquer sur cette image, je suis bien parti d'une seule exposition, et plutôt que de vous l'expliquer comme ça, je vais vous faire une petite démonstration. C'est pas un tutoriel, les amis, d'accord ? Je vais vous montrer les étapes et les outils que j'ai utilisés pour arriver au résultat final. Je vais le faire assez rapidement, je vais pas m'attarder dessus, je vais peut-être même un petit peu bâcler, mais c'est pour vous montrer que je suis parti d'une seule exposition pour obtenir ce résultat-là. Et pour corser un petit peu la chose, parce que c'est pas rigolo de le faire sur un fichier RAW qui a toutes les informations, etc., pour corser la chose, je vais même vous le montrer sur un JPEG. C'est-à-dire que, vous savez, j'ai exporté ma photo, mon point de départ du post-traitement, je l'ai exporté pour l'envoyer à ce Brian et à ce Marco. Pour que ce soit encore plus rigolo, je vais vous le faire sur un JPEG. Voilà, donc là, je suis sur Photoshop, je suis donc avec mon... Là, c'est mon fichier, c'est-à-dire c'est la base de mon post-traitement. Je vous épargne la partie où j'assemble le focus stacking, mais là, le focus stacking est assemblé, et je suis donc parti de cette exposition-là. Alors, qu'est-ce que je commence par faire, tout simplement? Là, on voit que j'ai mon ciel qui est pollué, j'ai pas mal de pollution lumineuse, surtout que la lune n'était pas complètement encore couchée, donc j'avais encore pas mal de luminosité de la lune. Donc, la première des étapes, c'est de travailler mon ciel et de dépolluer mon ciel. Alors, comment je fais? Ce que je fais, c'est que je commence par dupliquer ma photo.
ma photo qui est dupliquée, je vais contraster pour pouvoir isoler le ciel. Je vais dans Camera Raw et je vais créer volontairement un espèce de gros contraste pour réussir à bien séparer le ciel de mon premier plan. Hop. Donc c'est vraiment une photo dont je vais pas me servir. Enfin non, c'est juste pour pouvoir créer une sélection que je fais ça. Voilà, je fais pas mal de contraste. Hop, ça devrait suffire. Je clique sur OK. Maintenant que je suis ici, j'utilise le nouvel outil de sélection de Photoshop qui est vachement bien, c'est l'outil sélection ciel. Alors là, comme on peut le voir, on a l'impression, donc on a les pointillés, on voit que la sélection est plutôt précise, mais connaissant cet outil-là, je sais que généralement, c'est pas suffisamment précis. D'ailleurs, si je crée un masque ici, on peut voir en révélant le masque que, vous voyez, c'est pas ce qu'il y a de plus précis. Donc ça, moi, je vais contraster un petit peu ce masque. Donc je me positionne bien sur mon masque, je fais image, réglage, niveau, et je vais contraster ce masque pour vraiment avoir une belle délimitation. Donc hop, je ramène un petit peu le blanc, je ramène le noir, et j'essaie de créer vraiment une sélection assez précise. Hop. Voilà, et j'améliorerai tout ça après. Mais là, maintenant, je clique sur OK. Hop. Et là, j'ai une sélection qui est normalement un petit peu plus précise. Alors, ce ciel, qu'est-ce que je vais en faire? Là, ici, cette photo-là, je ne m'en sers pas. En revanche, je vais sur mon ciel de base, je fais un copier, CTRL-C, CTRL-V, et j'ai copié uniquement mon ciel. Ce calque-là au-dessus, maintenant, je peux le virer. Maintenant que j'ai un calque avec uniquement mon ciel, ici, ce que je fais de ce ciel, je vais le convertir en objet dynamique, hop, je double-clique dessus pour qu'il s'ouvre dans un nouveau projet, et j'ai uniquement mon ciel. Alors, pour pas contrarier mon histogramme, ce que je fais, c'est qu'en dessous de ce ciel, je mets un calque de couleur unie tout blanc, hop, que je mets par-dessous. Et là, maintenant, le but du jeu, ça va être de dépolluer mon ciel. Alors là, j'utilise une petite technique qui est assez connue pour dépolluer le ciel, où je travaille avec les courbes. Dans un premier temps, d'une manière globale, je vais dans ma couche des rouges, je ramène mon curseur, hop, vraiment à la base de mon histogramme. Je fais pareil avec les verts. Hop. Et je finis par faire pareil avec les bleus. Alors, dans un premier temps, je le fais de manière globale. Vous voyez, mais là, on voit que bon, j'ai supprimé de la pollution lumineuse en haut, mais il m'en reste encore ici. Et maintenant, je vais procéder de la même manière, mais de façon dégradée. Donc, je refais un outil courbe. Cette fois-ci, je bascule mon masque en noir. Je viens avec mon outil dégradé. Donc, je fais bien attention de partir du blanc vers le transparent. OK. Et là, je viens créer un dégradé sur mon masque qui correspond à la zone où il me reste encore de la pollution lumineuse. Hop, voilà. Et même processus que tout à l'heure. Je viens dans mes couches, je commence par les rouges, je ramène à droite les verts, je ramène à droite et les bleus, je ramène également au début, hop, de mon histogramme. Hop, j'ai encore continué à supprimer un peu de pollution lumineuse, mais il en reste encore un petit peu, donc je continue le process. Donc j'ai fait ça, hein, j'ai continué le process jusqu'à supprimer quasiment totalement, ma pollution lumineuse. Donc je refais encore une fois un dégradé, alors peut-être un petit peu moins gros cette fois-ci. Hop. Voilà. Et même processus que tout à l'heure. Voilà. Je recommence et je répète l'opération jusqu'à avoir quasiment supprimé toute la pollution lumineuse. Alors je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que sinon on va mettre encore 2 heures. Mais en gros, voilà. Bon, j'arrive à peu près à ce résultat-là. Donc là, si je vous montre le avant, le ciel est pollué, et là ici, j'ai supprimé la pollution. Alors c'est hyper contrasté, au niveau de mon ciel, c'est vraiment très très sombre, là dans les noirs, donc ce que je fais simplement, c'est que je vais avec un outil de niveau, je vais simplement décaler un petit peu mes noirs, hop, parce que c'était très très sombre, tirer un petit peu mes blancs pour récupérer un peu de lumière dans la voie lactée, hop, je reviens dessus, j'ai encore un tout petit peu décalé mes noirs, voilà. Bref, ça suffira, ça ira largement. Maintenant que je suis sur mon ciel, je vois que là, ici, j'ai deux, trois passages de... voilà, je me fais un petit nettoyage rapide. Un petit nettoyage rapide, là. Des passages de satellites que j'ai eu, hop, je les nettoie.
ici aussi. Voilà, bon, j'y vais vraiment grossièrement. Mais en gros, donc, je supprime ici, je fusionne tout ça, je peux le mettre à la poubelle. J'ai donc mon ciel et maintenant, j'ai juste à faire fermer, enregistrer. Et mon ciel a été dépollué. Donc là, ici, vous voyez que j'ai supprimé la pollution. Alors, au niveau de du traitement, voilà, vous voyez que j'en ai encore un petit peu ici. J'aurais pu continuer, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, voilà l'étape que j'ai fait au niveau de mon ciel, uniquement sur le ciel. Alors ce ciel, ce que je vais faire, c'est que je vais juste supprimer un petit peu de vibrance sur les bords parce que j'ai une espèce de dominante un peu teintée, la magenta, etc. Donc hop, je vais faire ça. Uniquement sur les parties droite et gauche de la voie lactée, là, voilà, hop. Moi, j'y vais vraiment, je vous le dis franchement, j'y vais grossièrement, hein. Je perds pas de temps avec ça. Mais en gros, voilà, là, j'ai récupéré une première partie. Maintenant, ce que je fais, c'est que je fusionne tout ça, hop, majuscule, CTRL, ALT, E, j'ai mon calque qui est fusionné, et maintenant, je viens de travailler dans Camera Raw très rapidement. Donc, pour vous montrer ce que j'ai fait dans Camera Raw, pour réexposer cette fois-ci mon premier plan. Alors, bah écoutez, c'est très, très simple. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé dans un premier temps des dégradés radiales. Donc, dégradés radiales où je réexpose. Hop, je redonne un peu d'exposition, un petit peu de ton clair, un petit peu de blanc. J'ajusterai après. Mais en gros, hop, et je viens le positionner sur la zone où je veux récupérer de la lumière de manière circulaire, comme ça. Alors, j'y vais encore une fois, hein, je vous le dis, j'y vais grossièrement. Hop, voilà. Je vais me mettre un petit peu de clarté légèrement. Augmenter encore un petit peu les blancs. Donc voilà, j'ai récupéré de l'exposition sur mon premier plan. Le problème, c'est que là, avec mon filtre circulaire, vous voyez, si je l'affiche, c'est que je touche aussi mon ciel. Donc, qu'est-ce que je viens faire? Je viens simplement soustraire, sélectionner le ciel. Et voilà, là, mon masque radial, il ne s'applique pas sur le ciel. Voilà. Hop. Ah, ce que j'ai fait, c'est pour récupérer un petit peu de lumière dans cet endroit-là. Maintenant que je suis sur, toujours sur Camera Raw, ce que je fais, c'est que je travaille légèrement mon ciel aussi. Donc cette fois-ci, je reprends encore une fois un masque. Je reprends un dégradé radial. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste insister un petit peu avec mon dégradé radial, là, sur la voie lactée. Je me positionne ici. J'augmente un tout petit peu le contraste. Un petit peu de clarté. Un petit peu de blanc, hop, de ton clair. Voilà, pour faire juste ressortir ma voie lactée. Donc voilà ce que j'ai fait. Là, encore une fois, même chose. Vous voyez que ici, ben, ça agit, ce que je viens de faire agit aussi sur la montagne, mais moi, je veux que ça agisse que sur la voie lactée. Donc ce que je viens faire, c'est simplement que je viens appuyer sur majuscule, intersection, et je veux que ça agisse que sur le ciel. Voilà. Donc voici ce que j'ai fait à cette étape-là. Donc là, on se retrouve avec une image un petit peu mieux, un petit peu rééclairée. Je reviens sur mon image de base et là, globalement, je remets un petit peu de lumière très légèrement. Hop, voilà, on s'arrête là. Diminue un peu la vibrance parce que j'ai pas mal de couleurs un peu chelou. Voilà. Et je clique sur OK et je reviens donc ici. Donc, on est bien d'accord. Je suis parti de ça, j'ai dépollué mon ciel, rééclairci un petit peu mon premier plan. Et pour accentuer tout ça, pour redonner encore un petit peu plus de lumière de manière un petit peu plus précise sur mon premier plan, ce que j'ai fait, c'est que je vais dans mes couches. Et ici, je me suis créé une action qui me crée des masques de haute lumière en 16 bits assez rapidement. Donc je crée un masque de haute lumière. J'utilise celui-ci, CTRL-CLIC pour sélectionner mon masque de luminosité. Et je viens ici sélectionner un outil de courbe. Et donc sur mon outil de courbe, j'ai mon masque qui est ici. Alors ce masque, je le contraste un petit peu parce qu'il est, un petit peu... Voilà, donc je vais sur mon masque, niveau, et je le contraste pour qu'il agisse un peu plus sur les blancs et un peu moins, voilà, sur les zones claires particulièrement. Je contraste encore un petit peu, hop. Voilà, quelque chose à peu près comme ça. Moi, je vais encore une fois, je vais vite.
Maintenant que je suis là, hop, alors attendez, contrôle D. Et là, avec mon masque de haute lumière, je relève un petit peu mes hautes lumières. Voilà. Avec quelque chose un peu comme ça. Voilà. Ouais, j'y vais encore grossièrement. Ici, je reviens dans mes courbes. Je relève un petit peu. Pas trop. Voilà. Hop. Et là, au niveau de mon ciel, vous voyez, j'ai des problèmes de densité un petit peu dans le ciel. Donc, ce que j'avais fait pour combler un petit peu ces problèmes de densité, c'est que j'avais utilisé pareil une action que j'ai qui s'appelle vignettage orientation portrait. Donc là, j'avais fait ça. J'étais venu sur mon masque, CTRL-I, et je viens peindre uniquement sur les parties de mon ciel. Alors, je resélectionne mon ciel, comme ça, je suis sûr d'agir que dessus. Et là, hop, je viens simplement faire ça. Supprimer un peu les problèmes de densité. Alors voilà, j'y vais un peu de manière grossière. J'y suis allé trop fort, donc diminue un peu l'opacité. Parce que le but pour moi, finalement, c'est pas de... moi, enfin, je suis pas dans l'astrophoto, un truc de fou, dans le sens où je veux absolument avoir des ciels. Moi, les ciels qui sont surexposés avec pour capter toutes les petites galaxies qui sont rouges, vertes, violettes, etc. C'est pas mon but. Mon but, c'est d'obtenir une photo où j'ai un ciel, comme je le vois à l'œil nu, noir, et juste je révèle la Voie lactée. Un petit peu, voilà, j'insiste un peu sur la Voie lactée. Mais en gros, voilà ce qui a été fait. Et après, j'avais peaufiné. Je me rappelle avoir encore peaufiné sur mon masque de... avec mon masque de haute lumière. J'avais continué. Vous voyez, hop, je me recrée encore un calque. Courbe. Et je me rappelle avoir... Alors, même chose, je contraste un petit peu mon masque. Image, réglage, niveau. Hop, je ramène un peu les blancs. Je contraste beaucoup, voilà. Et sur ces parties-là... Même chose que tout à l'heure, je relève un petit peu et cette fois-ci, j'avais relevé un petit peu aussi, donné un petit peu de chaleur. Donc, j'étais monté un petit peu dans les rouges, diminué un petit peu dans les bleus. Voilà, j'avais fait quelque chose un peu comme ça. Voilà. En gros, là, je vous ai fait vraiment de manière bâclée tout ce que j'ai fait pour partir donc de cette image et d'avoir ce résultat-là. Voilà, je me devais de faire une petite mise au point parce que j'en ai un peu ras-le-bol de tous ces experts sur les réseaux sociaux, experts en tout, qui arrivent avec leur certitude et qui vous disent que non, ça c'est pas possible, ça c'est ci, ça c'est ça. Voilà, ces gens qui se placent en experts. Déjà, je tiens juste à vous dire une chose, les amis, quand vous arrivez comme ça et qu'avec un aplomb pas possible et que vous vous positionnez sur cette, voilà, en tant qu'expert, assurez-vous d'avoir les bagages derrière, les compétences suffisantes. Parce que vous savez, les compétences, elles sont visibles sur Internet, sur vos galeries. Donc assurez-vous d'avoir ce qu'il faut en bagage avant d'arriver comme ça avec vos certitudes. Voilà, c'était une petite mise au point pour ces gens qui se posent des questions. Quand vous avez des questions, vous avez des doutes parce que ben, vous voyez des résultats que vous avez du mal à obtenir, vous ne comprenez pas comment on obtient ces résultats-là. Avant de vous positionner en juge, à dire « ouais, t'as truqué ta photo, ça c'est pas vrai, c'est pas possible », posez la question, cherchez à vous renseigner, à apprendre. Les lacunes, c'est pas grave. On a tous des lacunes, mais quand on en a, on cherche à les combler, on cherche à s'améliorer, à comprendre, à apprendre et s'améliorer. Donc voilà, ça c'était la petite mise au point de cette vidéo. Les amis, j'espère que ça vous a plu. Restez connectés, il y a d'autres vidéos qui arrivent prochainement. Et puis surtout, soyez créatifs, je vous le redis une fois de plus, mais pas que en post-traitement. Soyez créatifs aussi sur le terrain. Allez, à bientôt les amis.